chaud si on va dans le sud. Voilà, ben c'est du moins plus présentement, il est 10h23 du matin ici, puis c'est moins 10 encore. Et si on ajoute le vent, et my God, c'est... mais il est quand même moins froid qu'il y a quelques jours, c'était du moins 22, moins 26, moins 28, oh my God. Ça, c'est froid. Mais moins 10, c'est quand même acceptable, voilà. Donc, c'est Georges. Bon, ben, en tout cas, t'allais bien, parle-moi un petit peu de tes conditions de trafic, comment ça fonctionne chez toi, là. Vas-y, Georges. Bien ici, très bon signal, c'est assez stable, ça c'est la propague, hein? Pour le moment il y a une certaine stabilité. Ben, ici les conditions de trafic, c'est une deux éléments, une HV9CV, fabrication maison à 20 mètres du sol, juste au-dessus de la forêt, puis la campagne à 50 km au nord de Montréal, un petit village qui se nomme Saint-Lin, Lima India Novembre, Lin, comme le pape Saint-Lin, Saint-Lin Laurentide. Même si on est dans l'anneau d'hier, ben, c'est le nom du village et Saint-Lin-Laurentide. C'est pas de confusion, sans arrêt. Ah, vous êtes dans les Laurentides? Non, non, on est dans l'anneau d'hier. Mais c'est la limite des deux régions. Donc, Saint-Lin-Laurentide à la campagne, dans un milieu agricole, et qui est très bon être dans un milieu agricole, ça sent bon. Surtout, tant qu'il épandent tous les fumiers, là. Quel parfum extraordinaire! Je préfère ça, avoir dans le nez le gazole ou l'essence des villes. Voilà. Donc, à la campagne, Georges, et puis le poste, c'est un ICOM 7600, le microphone PR40 de Hills. Et voilà, c'est tout maintenant, Georges. Retour de micro, 14 d'Obsierra 062, 9 Alpha Lima 001 qui t'écoute. Il y a quelqu'un qui a appelé, là. Ouais, ok, 100%, 100% Georges, ben c'est tant mieux. Ben, moi, je ne vois que des avantages de mener à la campagne. Les odeurs de quoi que ce soit, moi, c'est une odeur qui ne me déplaît pas. Je suis fortifié, quand même si c'est du lisier de porc, qui quand même, c'est une odeur assez forte, hein. Mais ça me déplaît pas. Non, pas du tout, pas du tout. L'odeur de fumier que je préfère, c'est celle de des chevaux. Les chevaux, là, ça me fait une odeur. Ça sent bon. Oh my God. Ben oui, c'est ça. Et puis c'est un sujet de discussion, hein? L'odeur du fumier. Bon, mais voilà, genre, ben oui, c'est ça. Puis ici, ben. Ben, c'est ça, la vie plus calme, c'est moins... j'aime pas les villes, j'aime bien aller y travailler, mais sans plus, hein. Tu rentres en ville le matin, puis le soir, tu quittes la ville. C'est pas un lieu pour vivre, hein. Mais il y a des gens qui sont bien dans une ville, ben tant mieux pour eux, hein. Et moi, je suis pas bien dans une ville, tout simplement. Retour de micro, Georges. Mentionné. Survolons la Bretagne et les autres stations. Je suis en QSO avec Georges pour le moment. Oui, ben c'est ça. Écoute, vous, en France, vous êtes un peu plus de 65 millions sur un territoire. Et votre territoire entre dans le Québec 5 ou 6 fois. Et nous, dans ce grand territoire, on n'est qu'à peine 8 millions. Hein. C'est ça. Alors, ben nous, les grands espaces, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Moi, ce que je verrais comme scénario intéressant, vois-tu, le Canada et plusieurs fois la France, le Canada, c'est quand même grand, c'est très grand. Et moi, je verrais tous les Français de souche, immigrer au Québec, au Canada, et venez vous étendre d'un océan à l'autre. Ouais, ce serait un projet intéressant. Et puis, mais c'est vrai que c'est difficile, les souvenirs, hein? Comment amener les souvenirs, le Louvre et tout ça, la Tour Eiffel, my God, c'est la Tour Eiffel, non, ben c'est trop compliqué, écoute, là. Oh my God, on a besoin de rêver, Georges, retour de micro. Les gros projets. Bonjour, André.
très sauvage. Mais écoute, c'est pas dur, hein. On n'est que 8 millions. Les 8 millions, c'est souvent tout le long du fleuve, hein. De Gatineau jusqu'en Gaspésie, et de chaque côté, du nord au sud, puis après ça, quand on monte vers le nord, oh my god, c'est pas des gros villages, hein. on a beaucoup d'espace, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Salut, c'est ça que vous saluez tantôt. Donc, tout à fait, Jean-Jean, écoute, écoute, ben oui, ben oui. Ben oui, my god. Ben oui, si on est plus nombreux, la vie c'est plus facile, quoi, qu'elle est assez facile, plus facile que chez vous, parce que chez vous, dans un petit territoire, 65 millions, puis après tous les pays autour, l'Europe, oh my god, vous êtes tout le monde, hein, ah oui, c'est un peu plus pays, et puis, ouais, moi personnellement, peut-être qu'à la campagne, parce qu'il y a quand même chez vous, pas juste des idées, il y a des campagnes. Moi si j'irais m'installer en France, ça serait définitivement à la campagne. Pas à la ville. Parce que des commentaires que j'ai même de gens de chez vous qui parlent de Paris, exemple, de Paris, c'est la ville, la sans-gueule, la porte qui est pas de manière, ils sont pas toujours au rendez-vous. Hein. J'ai beaucoup d'amis français ici, hein, qui viennent, ils repartent, ils reviennent. Beaucoup de jeunes viennent être ici parce qu'ils ont plus d'opportunités. C'est différent, bien sûr. C'est assez différent, hein. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Donc, c'est différent. Il y en a aussi par contre des Français qui sont ici. Faire chez eux, parce que la culture québécoise, c'est différent chez vous quand même, sur plusieurs points de vue. Il y a peut-être des trucs qui peuvent être intéressants pour certains, puis d'autres moins intéressants. C'est tout à fait normal, hein. Une question de s'adapter. Moi, mes deux filles ont passé chacune d'elles un an à Paris, et puis c'est quoi l'autre endroit, hein? Près de Reims, à l'université que là. Et puis, ça crée beaucoup de liens, hein. Alors, depuis ce temps-là, ben, ici, c'est un peu comme une auberge, hein. Beaucoup de jeunes viennent ici, font un petit séjour, puis ils retournent, et puis, obligatoire. On a beaucoup de plaisir à les accueillir. Retour de micro, Georges. Fait que, à bientôt, et puis à la prochaine. Bye bye. Je le salue tantôt. Hein. Oui, 177, vas-y. Ben oui, Olivier, oh my god, ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu tuer chaud, hein? Eh my god! Et puis, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont depuis, hein? Je sais qu'Hôtel Florida, vous avez plein de projets d'activation, j'ai vu ça via un peu ce que tout le monde a posté sur le Facebook, dont Jean-Pierre, et puis dès que l'année passée, l'année d'avant, souvent, j'étais avec le groupe Hôtel Florida. Puis cette année, il n'y a pas de coïncidence, mais vraiment pas. je ne sais pas si les atomes sont pas assez crochus, mais en tout cas, on se rencontre pas. À toi, Olivier.